Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui à rechercher des images libres de droit avec un célèbre moteur de recherche pour vos présentations destinées à être publiées. Imaginons que vous avez un, un travail à faire sur l'Australie et notamment sur Ice Rock ou Uluru, le célèbre monolithe du centre de l'Australie. Donc, nous recherchons des images. Et vous voyez que vous avez un large choix. Et j'ai ici un onglet outils. Si vous cliquez sur les outils, vous verrez que vous pouvez faire une recherche par taille d'image, par la couleur. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les droits d'usage. Vous avez quatre types de réutilisation, de licence. Alors, ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, dans le domaine scolaire, c'est sans but commercial puisque nous n'allons pas euh, vendre nos productions, nous n'allons pas faire d'argent avec. Et donc, on va regarder ici réutilisation autorisée, réutilisation et modification autorisée. Alors, réutilisation et modification autorisée, cela veut dire que vous pouvez réutiliser cette image et la modifier, à condition bien sûr de ne pas vendre vos, votre création. Ici, c'est simplement la réutilisation qui est autorisée. Vous n'avez pas le droit de modifier l'image. Vous avez le droit de l'utiliser, mais pas de la modifier. Si je prends ici la euh, réutilisation et modification, comme ça je suis euh, sûr de pouvoir euh, faire ce que je veux avec mon image, on va me proposer. Alors évidemment, je vais avoir moins de choix. Et je vais décider de prendre celle-ci. Alors attention, je vais quand même vérifier. Je vais aller consulter l'image. Et j'arrive, alors c'est le site Flickr que vous, que vous connaissez peut-être. Et si je regarde ici à droite, sous l'image, j'ai un petit bonhomme ici dans un cercle et un lien. Alors je vais cliquer. Et vous allez arriver. Alors on va le, on va le mettre en, en français. Voilà. Alors ici, ce petit bonhomme, il est très intéressant. Avec ce petit CC ici, Creative Commons, que vous avez ici dans, dans l'adresse. Ce petit nom veut dire que vous êtes autorisé à partager et à adapter cette image, hein, puisqu'on avait demandé à pouvoir la partager, c'est-à-dire la réutiliser, à l'adapter, c'est-à-dire à la modifier, mais avec la condition suivante l'attribution, c'est-à-dire la paternité, c'est-à-dire que vous devez dire d'où vient cette image et intégrer un lien vers la licence. Alors. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais euh, ne vous inquiétez pas, on s'habitue très vite à ce petit symbole. Je peux aussi décider d'aller beaucoup plus vite. Ici, vous remarquerez que cette photo est issue de Wikipédia celle-ci de Commons Wikimedia. En fait, toutes les images utilisées, enfin, la plupart des images utilisées dans Wikipédia, sont libres de trois. Et toutes ces images sont entreposées dans Commons Wikimedia. C'est là que vous trouverez tous les médias, c'est-à-dire les images, les vidéos utilisées dans les articles de Wikipédia. Ici, j'ai choisi cette image, Wikimedia ici, Consulter. Et là, vous allez arriver sur la page de ce fichier, alors fichier image, hein, JPEG, et vous allez retrouver... La licence dont je vous ai parlé, vous reconnaissez ici le petit CC dans un rond, Creative Commons. Et ici, vous verrez, alors cette image, elle est encore plus facilement utilisable, c'est-à-dire qu'elle est dans le domaine public. Donc, vous savez comment euh, rechercher des, des images, vous savez comment aller même plus vite qu'en utilisant les outils ici euh, de votre moteur de recherche. Attention, en tout cas, vous devez surtout toujours vérifier que l'image que vous avez envie d'utiliser est bien libre de droit même lorsque vous avez activé le filtre de Google. Voilà, au revoir